les copains, c'est toujours au Nico n'a rien. Merci de liker, merci de partager, merci de mettre des petits pouces. On est dans notre grande opération dégustation de vin au troisième fleuve. Très bien. Yann, il veut nous faire vivre des émotions, Yann. Les terrains n'ont pas fondu encore. Ça, c'est un gamet. Qui est-ce que je n'ai pas servi Rémi. La prochaine fois qu'on fait une soirée, on interdit les carbos. Allez, c'est parti, faites-moi rêver. Faites-moi rêver. Ah, c'est bon déjà. Putain, c'est bon. Déjà, les gourmands. Super bon. Gourmand, canaille. Pas de défaut. C'est coquin. Aucun défaut. Ça, c'est un gigal. Non, t'es connerie, putain. Mais chez Monoprix ? Non, parce que c'est net. Alors, Yann aime la planète, j'en témoigne. C'est pour ça qu'il pense pas qu'il a porté un guillage. Mais il pourrait surprendre. C'est un peu rédasse quand même. Non, mais là, putain, je trouve pas moi. Il y a un côté un peu rustique en fin de bouche. Bah, oui, ça s'appelle le Mourvèdre. Ah, moi, je trouve pas super raide. Moi, c'est Mourvèdre. Pour moi, c'est Mourvèdre. J'aime bien Ken parce qu'il est pas expansif. Non, j'adore. Il dit ce qu'il pense. C'est pas Mourvèdre ça. Mais j'aime le vin. J'irais un salon. Beaucoup. Ah, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Moi, c'est ma cam ça. Moi, c'est ma cam aussi. La fin de bouche, j'aime moins. Moi, le côté astringent me dérange pas. Astringent ? Bon, Philippe, qu'est-ce qu'on pense de ce vin des Pariane là ? Ça. Je suis un peu dubitatif. C'est entre les deux. C'est du Beaujolais. Un peu mi-figue, mi-raisin. Ouais, mi-figue, mi-raisin. Alors j'espère qu'ils n'ont pas mis trop de figues dedans. Hein, parce que... ni de raisin. Ah si, du coup. Allez, bouffez un coup de boudin là. C'est quand même extrêmement. Ouais. Allez, on ouvre la bouche et on jette du boudin. Donc, c'est effectivement, il y a un côté métallique. C'est quoi du goût ? Ferrique. Ferreux, un peu ferreux, tu vois. C'est pas du gamay. Donc c'est un marron. Curasse ! Parce que marron, c'est pas. Allez, petit tour de table avant que je pose des questions. C'est parti. Pierre, c'est quoi ce genre de cabernet ? C'est un gros lot. C'est un cabernet sur les. Ah ouais, j'aime bien. C'est bien. Le canon. Alors, franchement, le cabernet franc, il est complètement atypique. C'est rustique, mais avec un peu d'élégance. C'est un vrai confort d'automne en fait. Ouais, d'accord. C'est rustique et élégant. Ce côté vin de cheminée. Je sais pas ce que c'est. Moi, je reste sur le gamay. Tu restes sur le gamay, toi ? Ah ouais. J'ai pas dit Beaujolais, j'ai dit gamay. Et gamay, il n'y a pas que dans Beaujolais qui a du gamay. J'ai ce côté. Environnement automnal dans le côté champignon, sous bois. Et j'ai envie d'être en train de manger. C'est plus frais que ça. Un gibier avec. En Bourgogne quoi. Ouais. Mais en finesse et avec surtout avec des champignons poilés, machin, etc. Pas forcément la sauce au vin quoi. Non. Non. Moi, mais il y a ce réconfort automnal que j'ai dans le verre. Et je trouve ça très bon. Je trouve ça très très bon. Moi j'ai vrai qu'il y a l'espagnol breton au pied aussi. Ça court. Mais je reste sur le cabernet franc. C'est poudré dans le cabernet. C'est intéressant parce qu'il y a plein de trucs très différents. À toi. Moi j'aurais pu dire un gamay de Savoie ou. Ouais. Ok, très bien. Moi je serais plus dans le sud. Le Carignan du sud. C'est good, j'ai vu. Très acide quand même. C'est trop bon, je savais pas. J'ai trop envie de savoir. Qui rappe un peu. Ouais, du coup, soit on est très au nord. Là, c'est pas du monde. Ouais, Gamay, Mondeux, je sais pas. Ou alors, complètement Mondeux, ça. Mondeux, ça c'est truc du Marmandais bizarre. Mondeux, c'est pas en train de. C'est pas cool, Mondeux. À toi. Moi, soit c'est une Mondeux, soit c'est un Cabernet Franc sur le trait calcaire trop jeune. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je pense que le vin est pas une phase qui lui permet de s'exprimer. Pour moi, ce vin, c'est comme un geek qui a jamais baisé. C'est un truc. Bon, allez, dis quoi ? Je sais pas encore. Allez, moi, je veux dire un Malbec. Malbec ? En carbo. Malbec carbo, allez, full carbo. Allez, Alex. Non, ça va, merci. Alors, Mondeuse, allez. Mondeuse, on t'écoute, Yann. Vas-y, Yann. Yann, on t'écoute. Il y a eu des très belles réflexions parties sur beaucoup de terroirs différents en France, mais on n'y connaît rien. Mais il y a quand même eu des très bonnes analyses. Il n'y a pas eu un tout pile, mais il y a eu des très belles choses. Il n'y a pas de gagnant sur tes bouteilles. Il y a eu des gens qui ont trouvé la région. Il y a des gens qui ont trouvé le cépage. Attention, je pense que vous l'avez tous goûté parce que. C'est un des rares vignerons, si je peux dire vignerons, qui se trouve sur deux vignobles différents. Quoi ? En France. Oh, c'est ce que tu disais la dernière fois. Ah, c'est Petit Pré. Antoine Petit Pré. En 2016. Oh la vache ! Oh putain !
Pas du tout jeune. Et premier buzz. Et c'est une mondeuse. Et c'est une mondeuse. Bah, j'avais dit avant. J'ai dit, c'est soit une mondeuse, soit un cabernet franc. Non, mais je l'ai dit, je l'ai dit, je dis le mondeuse. J'ai dit soit mondeuse, soit cabernet franc. On peut parler de tout ce qui se passe. Il faut deux vies pour apprendre le vin. Le bonheur est dans la bouteille. Il faut deux vies pour apprendre le vin, je pense. On peut pas tout à fond dans une vie. Donc, quelle belle soirée, vraiment.